Conviés par la municipalité d'Agrange pour ses vacances de printemps, Marina et Axel Göpfer de la compagnie Loin et c'est très bien d'Épinal souhaitèrent la bienvenue aux enfants agrangeois au spectacle de Louise Fété, la fille à tête de bateau. Aujourd'hui, on accueille la compagnie Loin et c'est très bien qui vient du Tillot dans les Vosges, qui est venue à Agrange pour représenter le spectacle La fille à tête de bateau. Comme un cœur de pâte d'amande. Et là, un grand voilier blanc à la place de la tête, ah avec les bords bleus. Un bateau. Une fille qui a en effet un bateau à la place de la tête et à son bord, il y a du monde. Des petits hommes qui voyagent sur la mer de la vie de l'héroïne. 2348 plus 913. 3427. Et donc c'était un spectacle qui était offert à tous les enfants de la ville et donc en priorité au centre aéré mais toute la population était la bienvenue à ce spectacle donc voilà ça s'est très bien passé, on a une cinquantaine d'enfants qui ont répondu présent et puis on va continuer cette programmation de spectacle tout au long de l'année pour faire du hors temps scolaire et proposer aux enfants de la ville différentes animations en dehors de l'école quoi. Ces passagers presque clandestins n'ont de cesse d'embêter le personnage principal de l'histoire, de bavardages incessants emplis de mauvaises pensées. Tempête dans un crâne de sourd, écrivait Blaise Cendrard, et qui n'a pas eu de petite voix contraire au creux de son esprit à chaque décision importante de sa vie, quitte à la faire chavirer dans le non-choix. Il n'y a plus rien du tout à moquer. Comment tomber amoureuse avec des rires moqueurs plein la tête, peut se demander le personnage central. Mais bien sûr, l'amour sauve de tout. Bien entendu, la municipalité algrangeoise convie les enfants vers d'autres spectacles et animations pour voguer sur la mer de l'enrichissement d'esprit et du non-ennui. Alors c'est pas encore définitif mais il y aura sûrement un prochain spectacle hors temps scolaire au mois d'août et puis après on travaille en partenariat avec Peggy Mazero, l'adjointe aux affaires scolaires donc par rapport à la marche des écoles et un spectacle qui sera proposé aux enfants au mois de juin. Je peux dire bonjour à un garçon pour la première fois. Bonjour.